Bonjour, bonjour, petite vidéo rapide. Vous vous souvenez d'une petite éolienne que j'ai testée il y a quelques mois? Eh ben, elle est toujours en cours de test, donc la voilà. Alors elle est toujours là et donc aujourd'hui je change les régulateurs solaires, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un régulateur qui prend toutes les statistiques jour par jour qui est un petit peu cher, donc je le récupère puis je mets au client celui qui correspond. Maintenant on connaît les tensions, on connaît les puissances, donc je change le régulateur, j'en profite pour faire des relevés. Donc là aujourd'hui elle produit 12 watts, 17 watts, 40 watts, elle produit un petit peu. Elle est montée à 368 watts aujourd'hui avec un demi kilowattheure de production. Puis les autres jours, 36 watts, 2 watts, 14 watts. Elle a eu beaucoup de moments où elle a pas produit. Elle a fait un petit peu, mais pas longtemps. Donc ça remonte peut remonter un peu plus loin. Là, elle a eu 200 watts. Donc elle a des pics de production. Et on va dire aussi qu'on arrive en hiver. Donc si vous voulez tout l'été, le soleil, il a largement suffi, quoi. Là, on va regarder l'historique. Je crois qu'on était à 248 watts l'autre fois. C'est celui-là, il y a 6 mois. Oui, je crois que c'est aujourd'hui qu'elle a fait le plus. Voilà. On commence à avoir une saison d'hiver avec du vent. Donc je vais enlever ce régulateur, le Schneider, et puis je vais mettre un SRNE. Je vous montre pas le montage du régulateur, c'est pas la peine. Donc là, on a bien une éolienne qui commence à produire bien. Elle est dans le vent, là-bas, elle a qu'à 6 mètres de haut, il y a moyen de faire mieux. Et voilà, je vais y mettre un petit régulateur à pas trop cher. Parce que là, c'était un régulateur à 700 euros quand même, qui permet de faire tout le travail. Bon, c'est pas mal.